Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Révélation, donc pour la deuxième partie de l'épisode 1. Donc j'enregistre à la suite, hein, comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur le fameux tableau des scores. Donc on va faire suivant, c'est parti. Et on va se retrouver donc avec Jill et Parker sur le Queen Zenobia. Donc le fameux navire de croisière perdu en pleine Méditerranée. Je crois qu'ils ont attaqué Chris et Jessica. J'espère que non. Hé, hey, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. On vient d'entendre un bruit étrange. C'était la serrure? Je vais vérifier. Ok, je vais jeter un œil par ici. Ok, je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Alors, juste avant ça, parce que là on est direct en mode « Oui, bon, Chris est pas loin, on va aller le chercher. » Et bah du coup, vu que maintenant donc on a accès au Genesis, hein, donc je vous rappelle, voir l'épisode précédent, au cas où, si vous l'avez pas vu. Donc c'est un équipement qui permet de scanner le décor et de récupérer donc des objets, que ce soit des munitions, des soins, etc. Donc du coup, on va en profiter pour scanner. Il y a forcément des choses à trouver. Voilà. Le fameux méchant. Cette chose ressemble beaucoup au cadavre échoué sur la plage. Là, il y a un morceau de steak qui traîne. Voilà. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un objet ici. Tac. Et je crois qu'ici, on doit être bon. Ah, il en reste un, là. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, merde, je suis plein. Forcément. Et à part ça, parce que ça du coup c'est trompeur. Ah, il y avait autre chose. C'est corps des munitions. C'est mort, ok. Alors on peut parler à Parker, je vais juste voir ce qu'il dit. Bon, sors ce truc. Non. C'est impossible. Alors je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais bon. Ça semblait être des êtres humains avant, on imagine que c'est un petit peu comme les zombies. Donc pour éviter de trop lever le suspense, on appelle ça des Oz en fait. Donc c'est le nom de ces créatures. Mais globalement, en fait, c'est le bestiaire de base qu'on retrouvera dans le jeu. Un petit peu comme on pouvait voir des zombies dans les anciens RE, quoi, plus basiquement, quoi. La différence majeure, en fait, c'est que bon, déjà, ils ont pas le même design, hein, ça vous l'avez sûrement remarqué. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin de ce côté-là, on est tous d'accord. Mais il y a une autre différence, c'est que par rapport à par exemple aux zombies traditionnels qui étaient tous les mêmes finalement, hein, mis à part leurs vêtements qui étaient différents, ils attaquaient de la même manière. Et là, la grosse différence avec les Oz, donc ces zombies-là, dans Révélation, ah oui, c'est vrai, quand c'est des empreintes, faut être très proche pour scanner. Voilà. La différence avec les Oz, c'est qu'il y a différents types de Oz qu'on verra. Donc ils ont chacun leur manière d'attaquer, certains attaquent à distance, d'autres corps à corps, etc. Donc c'est à savoir. Parce que forcément, ça fait une petite différence de gameplay. Donc pourquoi je retourne en arrière? En fait, je vais aller au tout début d'où on vient pour que ça soit fait pour la suite, en fait. Comme ça, j'aurais plus besoin. Parce qu'en fait, on va repasser par ici, mais pas forcément tout à fait aux mêmes endroits. Donc je préfère scanner tranquillou maintenant. Et comme ça, ce sera fait. Parce que là, du coup, on se retrouve dans un RE plus proche des anciens, où il y aura quelques allers-retours à faire, parce qu'il voilà, il faut telle clé pour ouvrir telle porte avec tel insigne, etc. Et donc, apparemment, il y avait un truc jaune. C'est peut-être pas à cet étage-là. Parce que du coup, ça fonctionne par... comme c'était une bulle, en fait. Une bulle de périmètre. Et donc, ça peut être très bien cet étage-là, comme être un autre étage, en fait. Mais je vois pas de... Y a rien. C'est étonnant. Ah, c'est... Y a plus de boule. Apparemment, c'est par là, je sais pas. C'est bizarre. Et là, y a plus rien. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, ça c'est à savoir, parce que des fois, du coup, c'est trompeur, mais après, une fois qu'on connaît le jeu, c'est... Voilà, c'est des trucs qu'on s'habitue, quoi. C'est des mécaniques de jeu qui reviennent souvent. Ça devient une habitude. Donc là, y a rien de particulier. On va vérifier là-bas aussi. Que dalle. Ok.
Alors je vérifie ce qu'il me semble qu'il y a une empreinte pas très loin. Ça doit être ici, je pense. Ah non, c'est pas là. Ça doit être le couloir d'après, alors. Apparemment, il y a quelque chose de jaune ici. Bon, le problème, c'est que c'est que des munitions. Ça va être problématique, parce que j'en ai pas besoin. Enfin, je peux surtout pas en mettre sur moi, parce que c'est vrai qu'en termes de besoin, je dirais pas non. Mais bon. On sait au moins où il y en a, et on pourra toujours aller les chercher plus tard. Voilà. Je me rappelais bien qu'il y en avait une ici. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y en a même une en rouge en fait. Ça donne un petit indice comme ça, c'est sympa. Et puis bon, il y a encore quelques trucs à examiner, je pense. Ça doit être encore des munitions, je pense. Je préfère vérifier, on ne sait jamais. S'il y a un petit soin. Ah oui, ça c'est à l'extérieur. Ça doit être des munitions de pistolet, ça aussi. Je vais vérifier, mais à mon avis, je crois qu'on est bon pour faire un aller-retour. Bredouille. Ouais, c'est ça. Bon, moi, on sait où il y a des balles, là, en tout. J'ai dû en détecter au moins une bonne quinzaine, en tout. Si c'est pas plus, donc... Lui, on peut scanner ou pas? Non. Donc, ça peut me servir si vraiment, par la suite, j'ai besoin de balles. Du coup, on va retourner là où il y avait Parker et on va aller visiter un petit peu plus ce bateau parce que là, on a vraiment rien vu. Finalement, on est que dans les lieux d'équipage, on va dire, là où il y a tout ce qui est provisions, cuisine et compagnie. Et puis, la petite cafétéria qu'on a vue avec le distributeur de canettes et tout, mais on n'a pas vu grand-chose pour le moment. Donc, on voit en même temps le plan en 2D à droite, en haut. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de savoir où on est. Et aussi de se repérer un petit peu dans ce navire qui est quand même assez vaste, hein, forcément. Il y a pas mal de choses à voir. Donc c'est assez sympa qu'ils aient fait le choix d'utiliser un navire. Bon, beaucoup ont dit que c'était original, parce que forcément, ils ne connaissaient pas forcément, et je les comprends, hein, c'est clair, Resident Evil Gaiden et Resident Evil Dead Aim. Donc Gaiden, je vous rappelle, c'est le seul épisode sorti sur Game Boy Color. Donc il se passait également sur un navire, hein, le fameux Starlight, donc il n'est pas canon, hein, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le Wakfu, vous pouvez le voir sur ma chaîne, il est disponible. Et également, donc Dead Aim, c'était le troisième Gun Survivor, en fait, enfin, techniquement, au Japon, il s'appelle Biohazard, enfin, Gun Survivor 4, parce qu'en fait, il y a eu un épisode sur la série Dino Crisis entre le 2 et le 3, enfin, entre le 2 et le 4, pardon, donc le troisième. Mais évidemment, il fait pas partie de la même histoire, hein, ça n'a rien à voir. On dirait une sorte de jardin. Intéressant. Et du coup, oui, donc Dead Aim, par contre, lui, était bien plus intéressant, et ça se passait également sur un navire, mais pas que. Il y avait une bonne partie sur le navire, mais pas que. Et donc, c'était le Spencer Rain, hein, donc qui, lui, par contre, est canon à l'histoire. Donc, ça peut être intéressant à voir si vous n'avez pas vu. Mais ce qui est plutôt original par rapport à ses prédécesseurs, je dirais, enfin, il y a deux choses qui sont originales, selon moi. C'est, bon, au niveau du décor, évidemment, c'est un navire, ça, c'est pas original, pour le coup. Mais c'est au niveau du bestiaire, parce que dans l'épisode Dead Aim, par exemple, ou même celui sur Game Boy Color, hein, le bestiaire, en fait, c'était des zombies basiques, des zombies qu'on connaissait déjà. Donc, il n'y avait pas toute cette... toute cette créativité qu'on retrouve dans Révélation avec tout le bestiaire inspiré d'animaux marins. Donc du coup c'est plus original et c'est plus en adéquation avec le lieu où se passe le jeu en fait. Et également l'autre point c'est tout ce qui est au niveau de la bande son. Les musiques sont très inspirées aussi avec des bruitages marins. On entend des petites gouttes d'eau par moment, il y a des bruits sourds comme si on sentait qu'on est sur l'eau ou sous l'eau. C'est, voilà, petit écho, voilà, qu'on peut entendre dans des couloirs de bateaux, etc. C'est assez sympa. Chris! Chris! Allez, dis quelque chose! Alors, il semblerait que Chris soit retenu ici. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok, on va la trouver.
Voilà, donc du coup, Chris est enfermé ici. Apparemment, il a l'air d'être inconscient. Donc pour nous, il nous faut une clé pour déverrouiller le cet endroit et pouvoir aller le sauver, du coup. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à examiner ici? Ouais, me semblait bien. Alors, est-ce que c'est des balles ou pas? Ah, un petit terme, ça fait plaisir, parce que les balles, voilà, quoi. J'en ai un petit peu beaucoup. D'ailleurs, des grenades, est-ce que j'en ai pas particulièrement? Alors oui, c'est pareil, là, j'y pense que du coup, tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, pour vous, je vous montrais les armes et je vous disais que j'avais qu'un flingue et je pouvais pas montrer les autres. Alors là, si j'ai plusieurs flingues, c'est normal, c'est pas lié au New Game Plus, c'est que, tout simplement, en fait, le jeu, je l'avais précommandé, et j'avais un petit bonus de précommande, à savoir plusieurs armes. Alors, est-ce qu'on peut les voir? Elles sont où? On peut pas les voir, les armes. Bizarre, ça. Mais en gros, j'ai plusieurs pistolets, et le plus efficace, en fait, celui-là, il a que 4 balles, mais il est plus puissant, donc je pense que c'est celui que j'utiliserai durant la suite du jeu. Les autres, je les utiliserai quand même pour vider les balles, pour arriver à zéro, quoi. Mais après, j'utiliserai essentiellement celui à 4 balles, parce que même si on recharge très très souvent, la puissance de feu est largement supérieure. De toute façon, on aura l'occasion de le voir, parce que là, on peut pas voir les stats des armes, mais on pourra le voir un petit peu plus tard. Donc on entend plein de bruits chelous, hein, évidemment, puis le bateau tangue et on le voit au niveau de la caméra, ça penche. Donc l'ambiance est vraiment très réussie de ce côté-là. Ça, y a pas photo. Ah, encore des balles de flingue, malheureusement. Encore et toujours, décidément. Un jour peut-être. Donc il y a beaucoup de choses à scanner. Hein. Je sais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas trop fans de système. Parce que trouvaient ça un peu répétitif. Mais bon, personnellement, moi je m'y fais. Je trouve pas ça gênant parce que finalement, c'est un faux prétexte. Hein, puisque dans les anciens RE, on s'amusait à fouiller. Hein, surtout ceux avec la caméra fixe. Il y a des décors, voilà, genre il y a un bureau, on voit rien d'affiché. Mais en fait, il y a quelque chose de planqué derrière, quoi. Genre, si vous vous rappelez, dans RE2, là, c'est l'exemple qui me vient, où il y a une salle où faut récupérer... Non, faut mettre les deux... comment on appelle ça? Les deux rubis. Il y a une espèce de vitrail au plafond avec un liqueur qui tombe, je crois, dans le scénario B. Et cet endroit-là, par exemple, il y a un ruban encreur et des munitions de fusil à pompe qui sont planquées derrière les meubles, quoi. Et ça, si vous tapez pas sur la touche croix pour examiner, ou c'est la touche carré, je sais plus à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois, il changeait à une touche près dans chaque RE. Donc tout ça, c'était entre guillemets une perte de temps à examiner les lieux et tout. Donc là, l'examination des lieux se fait via le Genesis. Donc pour moi, ce côté-là n'est pas gênant, en fait. Pour ma part, en tout cas. On entend des bruits étranges et apparemment, il semble que la douche soit activée. Mais bonjour, monsieur. Vous venez pourquoi? Ouais, là, je commence à mal viser, là. Le 100% de précision, il va pas venir. Je vais peut-être prendre une autre arme. Pour, justement, vider les balles. Elles sont vachement mastoc. Ah, voilà, c'est bon. On va le scanner. Hop, ça, c'est bon. Donc, ah merde, j'ai rechargé du coup. Ah, ça va faire, j'y pense. Parce que du coup, c'est le réflexe, hein, forcément. T'as tiré, hop, tu recharges après, quoi. Mais sauf que là, faudrait que j'évite avec ce pistolet là. Puisqu'il a moins de puissance, donc c'est quand même bête de mettre des munitions dedans. Je préfère les préserver pour mon autre arme. Alors là, il y a encore plein de trucs. Objets. Et apparemment, c'est tout. Donc là, apparemment, on est dans les dortoirs. Donc, personne n'est mort en dormant, donc ça va. Ils sont peut-être réveillés depuis, je sais pas. Donc, pas mal de vestiaires, mais ils sont pas très généreux devant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, donc là, je vais peut-être pouvoir les prendre. Voilà. Ah, il en reste? Ah, je peux pas tout prendre. C'est pas grave. De toute façon, on repassera plusieurs fois ici.
Alors là, on peut pas ouvrir parce qu'il y a une. La porte est fermée et vous voyez qu'il y a l'encre comme un signe. Donc il faudra trouver une clé en forme d'encre en fait. Ah, ça doit être de l'autre côté, ça, ouais. Donc ça, on va y aller. Enfin, je dis on va y aller, mais peut-être qu'on pourra pas y aller maintenant. Ouais, c'est fermé, évidemment. D'ailleurs, la porte ressemble beaucoup à celle où il y a Chris qui est retenu. Donc peut-être qu'avec la même clé, on pourra y accéder. Ça, on verra. Alors ici, on va voir une petite séquence in-game. Et en fait, il faut savoir que dans le jeu... Il y a toute une séquence, c'est un peu gros, mais une cinématique, si vous voulez, qui a été utilisée pour la promotion du jeu, donc pour en faire la pub, mais qui n'a pas été mise dans le jeu final. Et ça, je trouve ça dommage, donc du coup, vu que je suis gentil, on va dire ça comme ça, grâce à la magie du montage aussi, je vais vous rajouter donc cette séquence manquante qui fera donc la transition entre la découverte de la personne qui est en train de crier et ce qui va se passer par la suite, voilà. Donc par contre, je mettrai pas les sous-titres, mais parce que c'est en anglais en fait, elle est pas doublée en français. La qualité sera peut-être un peu moins bonne, parce que forcément ça vient du YouTube, et c'était pour la promotion de la version Nintendo 3DS. Mais bon voilà, ça vous fait une petite cinématique en plus, pour ceux qui ont déjà fait le jeu, mais qui connaissent pas cette cinématique. Donc c'est toujours ça de prix. Et sinon, globalement, dans les dialogues, c'est... quand elle va dire genre « What the hell ?»« C'est quoi ce bordel ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un moment, je crois, elle dit « Hold on !» Des choses comme ça. Enfin, c'est toujours « Arrête-toi »,« N'avance pas », des choses comme ça. Bien évidemment, quand elle dit ça, c'est envers les monstres. Hein, donc, voilà, c'est toujours ça. Hold on. I have to check something. I'll radio you back. What the hell? Why is this happening? Why me? Donc voilà, donc vous avez eu la petite cinématique, forcément moi j'enregistre direct, hein, donc je n'ai pas encore fait le montage, c'est logique, mais j'imagine que vous l'avez vu, si j'ai bien fait mon travail. Donc elle a pris assez cher, elle a tout fait vraiment pour fuir et réussir à se débrouiller pour survivre, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Elle s'est fait littéralement défoncer la gueule. Donc ça, c'est une personne qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais on aura des informations sur elle un peu plus tard. Et pourquoi je vous ai mis aussi cette cinématique qui montre tout simplement une meuf se faire défoncer,
c'est qu'on aura l'occasion de la revoir à plusieurs reprises. Mais je vous en dis pas plus, mais bon, pour ceux qui connaissent le jeu, forcément, vous connaissez un petit peu l'importance du personnage. Alors, du coup, on va faire du nettoyage. D'abord, on va aller scanner, tiens, puisque les messieurs sont occupés à manger. Voilà. Et du coup, je gagne un soin. Alors, à qui le tour? Bon, on va faire celui-là. De toute façon, ils vont venir tous les deux, j'imagine, quand je vais tirer. Voilà. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû recharger encore. J'ai tendance à oublier ce détail. Alors, je tire pas trop vite, parce que j'évite d'en mettre à côté, parce qu'ils gesticulent beaucoup hein, par rapport à des zombies basiques. Et forcément, bah, c'est de la perte de munitions à chaque fois. Alors, est-il mort, c'est... J'ai trouvé une survivante, mais les armes biologiques l'ont eu. Qui c'était? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Alors, on va pas tarder à le savoir. Du coup, et c'était scanné. Alors, on va fouiller les lieux, comme d'hab. Donc, faut que je pense à pas recharger. Il me reste 2 balles. J'en ai pas fait exprès, putain. C'est pas possible. Vous voyez à quel point c'est un putain de réflexe, quoi. Je dis, faut que je pense à pas recharger, qu'il appuie sur carré, quoi, putain. Je pouvais pas faire pire. Alors, une petite empreinte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la demoiselle, apparemment, elle a quelque chose là-bas. Et il y a aussi quelque chose là-bas. Voilà. Tac. Alors, vous avez remarqué, quand j'ai tiré sur le hose, il y a un moment, il était étourdi. Et donc, du coup, j'ai pu faire une attaque au corps à corps. Donc, si vous avez remarqué, j'ai pris beaucoup de temps à déclencher l'attaque, tout simplement, parce qu'en fait, c'est un système de chargement. On peut appuyer sur croix et puis faire un coup de pied directement, mais il sera moins puissant. Si on attend, ça permet de faire un coup beaucoup plus puissant. Donc, forcément, en termes de dégâts, on cherche ce qui se fait le mieux. Mais après, ça dépend aussi du contexte, quoi. Si on est entouré d'ennemis qui débarquent, t'as pas vraiment le temps de prendre ton temps pour charger le charger de coup de pied, quoi. Donc là, je le fais parce que j'étais tranquillou, mais il y a peut-être des moments où je pourrais pas. Alors, vous avez obtenu clé quartier équipage. Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme, mais j'ai récupéré une clé. On n'a rien à perdre à essayer. Alors, on ne dirait pas un membre d'équipage et doit faire partie d'un organisme. Alors, en réalité, on pourrait le savoir si on la voyait de dos, mais bon. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, une petite parenthèse que je vous avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais ce jeu-là, je vous ai fait une présentation de la démo avant que le jeu sorte. Et je vous avais parlé de ce personnage-là, enfin du coup, enfin j'avais fait une petite thématique à ce moment-là, du moins, durant la démo, en parlant justement bah, de ce que je vise en ce moment, c'est-à-dire c'est Niba en fait. Je critiquais justement, et d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, c'est toujours un problème pour moi. C'est que je comprends pas cette espèce de... Moi, du coup, j'appelle pas ça du fanservice, j'appelle ça du couille-service. Je crois que j'avais utilisé le même terme à l'époque. Hein. Comme quoi, mes idées n'ont pas trop changé. Mais en même temps, c'est logique, quoi. Même si des fois, on peut évoluer, hein, mais... pas pour ça, en tout cas. C'est que du coup, je disais que dans les Resident Evil, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de truc un petit peu cucu, quoi. Et ces dernières années, ils commencent à en mettre un petit peu par-ci, par-là. Et ça me dérange un peu parce que c'est pas forcément justifié que, par exemple, je sais pas, moi, tu débarques sur une plage où t'as des meufs en maillot de bain, c'est logique. Mais là, la meuf, je sais pas, elle a une combinaison de plongée, en quoi elle se fout un énorme décolleté, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Et surtout, techniquement, elle devrait au moins avoir des barres de en dessous, enfin, t'es pas à poil, quoi. Donc c'est... Voilà, ça me dérange et... C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter dans les RE. Tout simplement parce que ça pourrait être dans un autre jeu dès le départ. Un petit peu comme les Dead or Alive, par exemple. On en parle beaucoup de ces jeux-là. Justement, parce qu'ils font beaucoup de fanservice. Mais moi, ça me dérange pas parce que dès le départ, ils nous ont habitués à ça. Donc, je veux dire, tu sais ce que t'achètes, quoi. C'est, bon, on va partir dans le cas extrême, mais quand tu vas acheter un porno, c'est logique de voir des trucs de cul dedans, quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Mais là, Resident Evil, t'es pas habitué à voir ça, et du coup, moi, ça me dérange, parce que du coup, ça te casse un petit peu ton délire, quoi. Allez, mon bonhomme, viens par là. Alors, cette fois, je vais éviter de recharger. Je vais éviter, du moins, je vais essayer, mais ça va être compliqué.
Voilà, donc là je change d'arme. Donc voilà, au moins celle-là j'aurais pas rechargé. On scanne, voilà. Donc la clé équipage elle va nous servir, hein, vous doutez bien pour quel endroit. Il y a deux portes qu'on peut ouvrir avec normalement, je crois. Notamment celle-ci. Voilà, tac. Alors, il me semble qu'il y a du monde là-dedans. Voilà. Il a voulu se laver dans la machine à laver. Je sais pas si c'est très efficace, mais bon. Faut croire que ça l'est. Je commence à viser comme une merde, c'est pas bon signe. Hop, et je change d'arme et c'est bon. Maintenant, j'ai juste à rester sur celle-là et on est... Alors ici, il y a beaucoup de choses à récupérer. Ce qui va être compliqué d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup de balles, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup de balles, j'ai pas beaucoup de... De place, on va dire ça comme ça. C'est vrai que après j'en aurai plus, mais là c'est vrai que pour le moment je peux pas stocker beaucoup de merde. Ah, herbe verte, je suis plein. Ah ouais, déjà je suis à... Ah merde. Écoutez, au moins je sais où me réapprovisionner si nécessaire. On va prendre ça comme ça. Là-bas j'ai vérifié ce que c'était ou pas. Ah, grenade à main, ça c'est cool. Je sais pas combien j'en ai. 2, bon ça va. Normalement on peut en stocker 5 je crois aussi. Ouais. Ah non, 9. Ah bah c'est carrément mieux. De la marge. Tant mieux. Alors du coup là on va faire gaffe parce que sur le chemin du retour, on va avoir quelques problèmes, si je peux dire. Voilà. Notamment ce... Le gentil bonhomme. Alors ce qui est compliqué, c'est que là il va être collé à la porte, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de l'esquiver. Alors il y a un système d'esquive dans le jeu, mais il est assez compliqué à gérer. Par rapport à ce qui a pu se faire par la suite. En fait le système d'esquive est assez similaire finalement à celui de Resident Evil 3, si vous avez joué au jeu ou si vous avez vu mon walkthrough. C'est que le système d'esquive de Resident Evil 3, en gros faut appuyer sur le bouton au bon moment où l'ennemi attaque. Et là c'est à peu près pareil. Sauf que là, c'est pas un bouton, c'est le joystick, en fait. Donc c'est pas forcément facile. Je prends mes distances. On recharge. Hop là, j'esquive. C'est bon. Fais dodo. Voilà. Moi, j'ai mis une petite balle à côté, mais bon. Je pense que ça... Je me débrouille pas trop mal, je pense, en termes de visée. Mais la visée est un petit peu particulière dans le jeu, parce qu'en fait, faut savoir que sur Nintendo 3DS, le jeu ne se jouait pas comme ça, en fait. Comme là, on l'a à l'écran. Alors, il y a peut-être des phases de jeu comme ça, mais globalement, en fait, c'était une vue à la première personne quand on visait avec l'arme, ce qui était assez particulier, parce que du coup, l'écran des 3DS, en fait, n'est pas vraiment 16/9, c'est un peu entre les deux. Et du coup, il y a un champ de vision très très restreint, finalement. Alors, est-ce qu'il y a un autre bonhomme ici? Ouais. Et avoir un champ de vision aussi restreint avec une vue FPS, bah autant dire que c'est compliqué. Et du coup c'est marrant parce que ça se rapprocherait plus d'un Resident Evil Dead Aim, comme je le disais tout à l'heure. Ou bah dans Dead Aim tout simplement, c'est à la troisième personne derrière, c'est pas caméra d'épaule. Hein. Mais par contre quand on est en mode tir, bah c'est en FPS. Quoi. Donc finalement c'est très similaire avec Révélation. Du moins l'original, quoi, sur Nintendo 3DS. Mais là, du coup, ils ont adopté un gameplay plus proche de ce qui se faisait sur... comment ça s'appelle, bah, sur PS3 360, quoi, je veux dire, avec Resident Evil 4 et 5, quoi. Alors, il y a encore un compagnon de route. Donc, ils sont nombreux, les gens Berner. On va leur donner des noms, forcément. Parce que c'est rigolo. Donc, pour l'instant, ils ont tous la même gueule, hein. Sont assez affreux. Et c'est vrai qu'ils font leur petit effet. Quand on joue la première fois, c'est vrai que leur gueule est assez particulière quand même. Et il y a beaucoup de monstres marins comme ça qui sont assez intéressants en termes de recherche. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt bien travaillé de ce côté-là, hein, les équipes de développement qui ont vraiment bien travaillé. Tout ce qui est designer... Oula, entendez-vous, il est chelou, là, j'aime pas trop ça. Il doit encore y avoir un monstre.
sais pas. C'est pour mettre dans l'ambiance. Et donc là, il reste qu'une porte à ouvrir, celle où il y a soi-disant Chris. Donc on va voir ça. Alors évidemment, là j'ai remonté comme un gogol, hein, mais c'est juste que je regarde en même temps Audacity pour voir où j'en suis en termes de temps. Donc on est juste à côté. Jill! Vite! On doit aider Chris! Et on arrive à la fin de cette deuxième partie de l'épisode 1, donc du coup la prochaine fois, bah techniquement on passera à l'épisode 2, logique. Donc il s'est passé quelques petites choses hein, à la fin là, donc forcément pour ceux qui connaissent pas Révélation, je vous dis tout de suite, hein, le mec au masque à gaz, ce n'est pas Hunk, ça aurait pu. J'ai bien ça aurait pu, et c'est pour plusieurs raisons, mais ça on aura l'occasion d'en reparler par la suite, mais ce n'est pas lui en tout cas. Donc apparemment on est un petit peu dans le pétrin, on va passer un sale quart d'heure, le mec il nous a mis du gaz pour nous calmer, et c'était un piège, ce n'était pas le vrai Chris, mais juste une marionnette, on pourrait appeler ça comme ça, un leurre. Ah du coup il y avait les trois épisodes d'un coup, d'accord, en fait l'épisode 1 il s'est enchaîné direct avec le deuxième, sans demander mon avis. D'accord. Bah écoutez, du coup, vous aurez l'épisode 1 et 1-2, hein, de toute façon, vous l'aurez vu dans l'épisode précédent, mais je m'attendais pas qu'il me fasse un petit truc comme ça, mais bon, pourquoi pas. C'est pas bien grave, mais bon, du coup, ça foire un peu le truc, quoi. Donc oui, du coup, on va sauvegarder. Tac. Donc, toujours en S, c'est cool. Et on va sauvegarder sur un spot différent, au cas où. S'il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Donc ça c'est aussi un point intéressant que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que il y a toujours des moments de suspense et des cliffhangers, on appelle ça hein, dans les séries. C'est beaucoup utilisé dans les séries télé, c'est que à chaque fois à la fin d'un épisode il se passe un truc majeur et du coup t'es trop pressé de voir l'épisode suivant quoi. Et en gros cette technique-là elle est beaucoup exploitée dans ce Resident Evil Révélation. Et c'est assez cool du coup parce que ça relance constamment l'intérêt en fait pour l'histoire du jeu, ce qu'on ne retrouverait pas forcément dans un RE plus classique. Et ils ont fait un petit peu la même chose dans Révélation 2 d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Révélation hein, forcément. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux épisodes, c'est logique. Mais en tout cas c'est un très bon point et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, que quelque part j'aimerais bien le voir dans les futurs RE numérotés, même si bon, pour l'instant, le 7 n'a pas fait ce choix-là, mais bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que Resident Evil 8, ou peut-être un autre Resident Evil, Révélation 3, peut-être, je sais pas, proposera ce système, ça pourrait être cool, en tout cas, moi j'aime bien. En même temps, comme je vous ai dit avec les précédemment, ça permet de se rappeler du scénario et tout, enfin, tous ces petits détails-là sont vraiment cool, je trouve, pour la progression en jeu. Donc voilà, je vous retiens pas plus. Donc vous êtes sûrement, si vous connaissez pas le jeu, vous demandez qui est ce bonhomme, vous inquiétez pas, on aura des réponses dans les futures vidéos. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus !